Hello à vous, bande de Roger. On se retrouve sur The Crew, avec cette intro qui n'est pas du tout mon style. Donc on va y aller, hein. Je commence par du nawak. Faut bien faire du nawak, un petit peu du nawak. Yalla, yalla. Donc oui, du nawak sur The Crew, la bêta que je vais pas pouvoir... Aïe, non. Non, je vais pas pouvoir tester longtemps, aïe. Vu que bah je j'ai pas beaucoup de temps quoi, j'ai une journée, j'étais en voyage et je vais vérifier si le son est bien, hein, c'est jamais histoire de faire une vidéo correcte. Stop, j'ai dit stop. Ah oui, c'est vrai qu'on est une session en ligne. Bon bah pas stop. Bon alors, j'ai quelques heures dessus vite fait, hein, pas grand chose. On va regarder quelques courses qu'on peut faire, hein. On va voir si on peut customiser un peu la voiture, hein, sans dépenser trop d'argent. Techniquement là je suis dans une zone qui est pas vraiment de mon niveau, hein. C'est pour ça que je vais refiler tout de suite vers une ville plus connaissable. Je vais regarder niveau 20. Donc on va rester un peu dans cette zone, qui est la zone de départ, hein, Détroit, la zone un peu archaïque, un peu bordélique des États-Unis. Et on va refaire les courses que j'ai pas pu faire comme il faut. Parce que j'avais pas une assez bonne voiture. Alors, déjà je vais vous dire mon feedback. Personnellement je me fous un petit peu de l'histoire. Même si elle a un côté intéressant, sympathique. Je m'en fous. Après. Oui, donc il y a une histoire. Oui. Ça paraît pas forcément logique, mais oui, dans la plupart des jeux de voiture aujourd'hui, il y a des histoires. C'est du open world, c'est assez joli, assez fluide. C'est un des premiers jeux que j'ai qui est de Ubisoft, qui s'adapte pas mal à mon PC. C'est-à-dire que ultra ou élevé en jouable, enfin jouable avec une jouabilité fluide. Qu'est-ce qu'on a ensuite d'intéressant à dire? De belles cinématiques, entre autres. Une conduite, alors je sais pas si ça plaira à tout le monde, mais oula, vachement approprié pour chaque voiture en fait. Il y a vraiment une différence, enfin on sent la différence pour chaque voiture, c'est assez impressionnant. Alors je joue, oui, à la manette, hein, mais oula. Je crois que je vais pas gagner cette course. Je crois que je vais recommencer, hein, parce que là c'est un peu du massacre. Des vues, des caméras, des vues de caméra assez sympa, le basique quoi. Mais c'est vrai que maintenant dans les jeux d'aujourd'hui on les retrouve pas forcément toutes, donc c'est intéressant de le dire. Sinon, une grande map, ça vous l'aurez vu tout à l'heure. Hein. Une assez bonne mise en réseau, si ce n'est que j'ai pas compris que... Enfin, j'ai eu pas mal de bugs parce que ils disent que... Enfin, en download de la bêta, vous auriez, pour ceux qui l'ont faite, vous avez bien vu que c'était marqué playable à 30%, enfin jouable à 30%. Sauf que j'ai lancé une fois le jeu, ça a marché nickel, et après, eh ben, j'ai plus pu le lancer, donc il fallait que je me tape les 10 gigas restants. Donc ça m'a pris 2 heures, je crois. Bon, ça va, comme il n'y avait personne à la maison, j'ai pas eu trop de problèmes au niveau de... Merde, et je refais la même connerie. J'ai pas eu de problème au niveau du download, mais sinon ça va. Bon, ouais, donc, en parlant du voyage, parce que je vais revenir sur le voyage, même si ça n'a rien à voir, du fait que j'étais pas là. Je suis allé à Amsterdam, mais c'est une ville de dingue là-bas. C'est un truc de dingue. Je vous jure. Alors, autant la circulation que... Oulala. Autant la circulation que les gens. Alors... En parlant de circulation, donc c'est les vélos qui ont la priorité. Mais c'est des malades les mecs, hein. Ils te font des trucs, c'est du millimètre, hein. C'est... Faut conduire comme un as, hein. Sinon tu crèves. Tu te fais shooter par un... Ah oui, parce qu'il y a les trams aussi. Bah oui, j'ai pas pensé aux trams. Eh merde. Donc il y a des trams partout. Il n'y a pas beaucoup de voitures du coup. Alors, je vais vous donner des chiffres. Il y a plus de 700 000 habitants pour 600 000 vélos. C'est pas un truc de dingue ça? Franchement. Il y a 11 millions de visiteurs par an. Bon, ça, c'est une autre info, mais... Bon, sinon, vous pouvez connaître Amsterdam slash la Hollande pour certaines de ses exclusivités au niveau de du cannabis. et aussi du Red Light District. Alors là, ça chauffe, hein. Moi, je me baladais, on était en famille.
Et là, on voit des nanas poilées sur les vitres des magasins. Bon, d'accord. Et alors, ouais, alors là-bas, il n'y a pas de marchand de fleurs. Hein. C'est des marchands de cannabis. Hein. Ça sent très très bon. Vous baladez, il y a un coffee shop tous les 2 mètres. Hein. C'est un truc de dingue. Donc, si vous êtes un drogué, c'est pour vous, je crois. Hein. Ça vous ira bien. Alors, tac. Alors, j'ai pas pu jouer avec Dark Moon, malheureusement. Je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. Je sais pas si. Oui. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, mais. Anyway, voilà. On va faire quelques courses. Hein. Voilà. Celle-là, elle est pas très intéressante. Je vous ferai les celles qui m'ont le plus plu, c'est-à-dire dans la terre. La terre a vraiment un aspect sympa dans ce jeu. Alors là, il me semble qu'on a. Ah non, on a notre voiture. Je vais jouer en vue extérieure parce que je joue que en vue intérieure depuis tout à l'heure. Oula, j'ai une baisse de framerate. Va te faire foutre la barrière. Oula, 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 oula. Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir un truc qui charge en arrière-plan là. Ah non, c'est revenu. Ok. La fluidité était partie. Le jeu est pour l'instant bloqué à. C'est quoi ce virage de merde? À 30 FPS. On verra par la suite comment ça se déroulera. Hein. Il y aura peut-être des patchs faits par les gens. Ou alors par Ubisoft. On verra. Mais c'est assez fluide hein, en principe. Il n'y a pas besoin d'une trop grosse config, bien que. Faut surtout qu'elle soit pas obsolète quoi. Parce que même si. Merde. Ah oui, tiens, un point intéressant à remarquer. Il n'y a pas de ragdoll avec les personnes qu'on shoot. Alors tant mieux, parce que ça enlève de la masse à. Enfin, ça enlève du. Comment ça s'appelle? De la mémoire perdue à la charger. Donc c'est d'un bon point du côté fluidité. De l'autre, c'est toujours marrant de shooter des mecs quand vous êtes un gros psychopathe, mais bon, ça c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ouais, alors un petit point niveau graphisme hein, pour ceux qui se connaissent. Au niveau de l'anti-aliasing, c'est pas vraiment très 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 pointu. Vous avez quelques choix, mais soit c'est rien, soit c'est tout. Donc soit faut un PC énorme pour l'anti-aliasing, soit faut un truc valable. Quoi. Donc voilà. J'espère que tout a bien record. Comme je l'ai dit, j'ai un nouveau micro, une nouvelle souris et un nouveau casque au passage. Et donc, j'espère que tout fonctionne. Bon, là, je joue à la manette, bien sûr. Mais... ouais. D'ailleurs, en parlant de manette, j'espère qu'ils vont bientôt sortir celle de Xbox One pour PC parce que j'avais bien meur de bien meilleur. Ah, bah d'accord. De bien meilleures sensations quand j'avais testé à la Paris Games Week. Bon, on n'a pas fait mieux, je crois, mais c'est pas grave, c'est cool quand même. Je suis content de la faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo et sans mon micro là, je pétais des câbles. Non, tu me connais pas. Voilà, alors je vais faire une des courses qui m'a que j'ai bien aimé, à savoir, je crois, celle-là. Ouais, celle-là est sympa. Ça va être sympa. Donc sachant qu'il y a aussi à travers. Donc je vous montrerai après le garage. Non mais qu'est-ce que tu. Oula 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 oula. Non, pas bien. Oula, j'ai. Mauvaise manip là. Miss click, miss what the fuck, miss tout tu feu. Alors. Tac. Alors. Voilà, play, je voulais faire. Donc ça, c'est une mission de takedown. À savoir takedowner. Hein. Allez, tac. Tac, et on prend une autre voiture. Et là, les sensations de gameplay, elles sont juste géniales. Je trouve dans la terre, elles sont grave bien. Alors après, c'est un avis perso. Hein, mais... Bon, je connais le pathfinding de la bagnole, donc je vais y aller en bourrin. Même si ça prend du temps. Normalement, la première fois, vous arrivez pas aussi vite. Vas-y, je vais la prendre en coupé. Ah, merde, je l'ai raté. Hop, la terre et tout là, c'est énorme, je vous jure. Alors ça manque un peu de vibration au niveau de la manette sur route, je trouve, mais en tout cas sur sur terre, c'est bien géré. C'est bien géré. Oula. Tac. Alors, je vais attendre que ma barre de boost se remplisse un peu et non, j'aurais pas dû utiliser là. OK. Là. Bon, elle est pas très puissante la voiture, faut vraiment la voir sur un. C'est plus de l'alignement de voiture que de.
que de puissance. Vraiment. Avec l'avion qui passe au-dessus. Enfoirure! Oula merde, c'est lui qui m'a shooté. C'était pas très génial. Surtout, sûrement je vais perdre, hein. C'est juste pour vous montrer la course que je fais ça. Normalement j'établis une stratégie au niveau du pathfinding, mais là je fais nawak. Oui, oui, oui. Ah. Ouais, tu l'as dit. Alors, moi, c'est 1 minute 20. À mon avis, je vais difficilement le faire là, parce qu'il reprend pas mal de vitesse. Bon, alors, sachant que c'est plus drôle à faire en multi, j'imagine. Hein. J'ai pas encore bien regardé les options multi. Je voulais d'abord avancer pas mal dans de solo. Comment on va faire ça? Il s'y fait là. Oula, je viens de traverser un arbre. Merde. Tiens. La première fois que je l'ai faite cette mission, je l'ai one shot. C'est-à-dire que je l'ai pris de travers, je l'ai tapé dans la portière quoi, il a fait un double tonneau. Et j'étais étonné de la puissance du truc. Et après j'ai plus réussi à la refaire quoi. Mais bon, j'ai quand même finalisé en or. Parce que c'est pas une mission. Il va où là? Merde, pars-toi toi. Bon, je vais perdre, c'est pas grave, vous aurez vu à peu près la map en même temps. Mais moi j'étais pas allé aussi loin. Là il ralentit, il en peut plus quoi. Ouais. Ouais, je vais peut-être y arriver hein. 10 secondes. 10 secondes. Non, ça va pas passer. Surtout que je sais pas où il va. Yalla ! Ralenti, ralenti, enfoiré. Non, c'est mort. Le poteau qui a bégayé. Bon, voilà, je m'en fous. Et il y a une autre course. Je sais pas si je voulais la... je voulais faire. Qu'est-ce que je vais faire? C'est... Je crois que c'est celle-là. Non. Peut-être celle-là. Je sais plus. Je sais plus. On va faire la mission actuelle. Ah. Ici. Matching a ghost. Je sais pas. On va y aller, hein. Ça nous fera de la route un petit peu. Bon, j'ai pris la Camaro par préférence, hein, pas par statistique ni rien, hein, parce que c'est ma voiture préférée. Enfin, une de mes voitures préférées. Disons qu'elle rentre facilement dans mon top 10. Et et j'espère qu'il n'y a pas que celle-là, parce que là, c'est la SS. Bon, on va couper, hein. Oh. Pour une fois dans un jeu, on n'a pas de limite, hein. Bon, j'ai pas l'équipement pour aller dans la terre normalement. Ni dans la flotte, à ce que je vois sur la map. Effectivement. D'accord, ok. La route, elle m'a dit. L'eau, elle m'a dit, tu passes pas. C'est un. Ouais, j'ai décalqué la voiture. Ça va, je trouve que le rendu de la destruction est pas mal. Pas mal, je dis, hein, parce que ça peut toujours être mieux, hein. Vous me direz. Alors. C'est tranquille, il y a de la petite musique. D'ailleurs, je crois qu'on peut la changer. Ouais. Ça, c'est quoi? Je sais plus ce que c'est, ces espèces de monuments. Là, je crois que c'est des... Oh, une ambulance. Il y a un peu de vie, hein. Des fois, il y a des avions qui passent. Oula, petit bug de caméra. Ah, attendez. Vous voyez ce truc? Alors, ça arrive bien. Ça veut dire qu'il y a un élément à trouver pas loin. Alors, soit c'est une vieille voiture et... Et au bout de pas mal, on a une vingtaine pour le buggy. Et là, c'est la hot rod. Donc là, c'est la première que j'obtiens. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais m'empresser de les rusher. Je vous ferai peut-être une vidéo où Thibaut le... Donc ici, hein. On va pas trop l'embêter. C'est sûr, en fait, et qu'il y a la police pas loin. C'est chiant. Voilà. Bon, c'est pas grave. Castlevania Lords of Shadow 2, et franchement, ça fait de mon top 20, top 30 quoi. C'est de la merde, mais moi j'ai bien aimé. Et Castlevania, ça sort tout seul sur NES, Super NES. Je vais attaquer les consoles plus récentes. Tiens, je vais changer de musique. Je vais attaquer les consoles plus... par émulation. Oula, oula, allez, on le slalom, allez, on essaye de le faire. Oh, comment ça? Oh. Comment ça, je l'ai pas fait? Voilà, tac. Putain, ça va bien avec l'opéra. Mais non, mais je l'ai eu.
Et là, après, je prends la Camaro. J'arrive pas à tourner au début. C'est fini, là? Non, mais c'est quoi ce virage, là? Bon, tant mieux. Et là, ouais, donc... ah, bah, j'obtiens quand même un truc de level 4, c'est pas mal. Oula, je vais où, là? Tu vas où? C'est par là. Alors, on va changer de vue. Ça c'est pas très banal, voilà, c'est là. J'adore la vue intérieure, franchement c'est mon kiff. Alors possibilité de jouer en manuel, je l'ai pas fait pour les besoins de la vidéo et que je suis pas encore super bon sur le jeu en automatique, donc on va passer le manuel quand je maîtriserai à fond. Possibilité aussi d'un mode sport, donc c'est à dire que c'est du semi-automatique si vous voulez. Il y a l'ABS, l'anti-patinage, tout ça, qui sont mis à... en semi quoi. Et sinon le mode hardcore, le mode Gran Turismo comme j'aime bien l'appeler, où c'est vraiment les risques et les sensations d'une voiture normale. Je sais pas où on va là, est-ce que je suis... Ah bah c'est cool le... Oula 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 oula. Alors je vous assure que même les petites pièces de chaque équipement, vous verrez bien la différence. Ça c'est... Y a pas de... Y a pas de soucis. Bon alors pour ces genres de défis là, vous voyez sur la mini carte il y a le gosse derrière moi. Vaut mieux être lancé hein, parce que... Ah putain, même en étant lancé hein, j'ai pas eu l'or. Ah ça c'est pour alléger la voiture il me semble. Tac. Alors j'aimerais bien passer niveau 10 avant la... Aïe. Avant la fin de la vidéo. Pour ça que je tâche, je ferai une grosse coupure. Parce que j'aimerais franchement bien débloquer la classe Dirt et vous faire des... Je verrai comment ça se coupe maintenant que j'ai plus la restriction YouTube. Top top, casse-toi, qu'est-ce que tu fais? On a entendu le bip bip. Alors, est-ce qu'il y a moyen de passer là? Non, hein. Est-ce que je suis baisé? Ouais. Attends, voir, attends. Non, 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 reviens. Il part en couille ce machin. Bon, il doit être dans la forêt, hein. J'estime, j'assume, tac, je déplace la voiture. Ouais, il est dans la forêt. Je veux les morceaux de bagnole ou les antennes, hein, ça marche comme sur les autres jeux de Ubisoft, hein. Vous découvrez la map au fur et à mesure que vous découvrez les... Merde, les antennes. Donc ça, c'est du classique, hein. Alors, elle doit être juste là. Et nickel. Ah, deux déjà. Bon, je vous montre où elle est hein, si jamais dans la vidéo. Voilà. Voilà. Je l'ai pas fait avec l'autre, mais je sais à peu près où elles sont. Tac, ah oui, on va se TP aussi hein, au cas où, parce que ça fait longtemps que ça dure. Est-ce que je peux y jouer? Non. Est-ce que je peux me TP? Ouais, là. Oh, il y a le stade. Je peux me TP dans le stade? Non. Tu déconnes. Ah ouais, non, tu déconnes. Ça aurait été marrant ça par contre. Aïe, putain enfoiré. Là ce serait sympa quand même de passer. Non, je suis un malade, je le fais direct. Après on ira dans le mécanicien. Ce que j'appelle le mécanicien. La voiture, tout ça, là où ils vendent les voitures. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est du jump? Merde, merde, merde. Ah, j'ai gagné. Bourrin. Yo. Ouais, des nouveaux pneus. Enfin, je sais pas si c'est des roues ou des pneus. Mais... Bonus braking, ok. C'est par où, là? Ok, c'est par là. Oh, j'ai un tout petit peu tuné la voiture, hein. Juste un peu de carbone dessous et de devant. Histoire de... C'est par là. Je pense que la chose la moins bien faite dans ce jeu, c'est les piétons, d'abord. Ensuite, les collisions. Il y a quelques collisions un peu hasardeuses. Hein. Mais bon, ça, c'est dans pas mal de jeux nouveaux où ils préfèrent la conduite à la collision. Des fois, il y a des drôles de collisions. Par exemple, le dernier Need for Speed, des fois, c'est complètement what the fuck, les casques. Oula, oula, oula. Je crois qu'on est rentré dans une zone. Attendez. Ça, c'est quand même juste énorme. Ok, je l'ai filmé, c'est dedans, c'est dans la boîte. Hein. Et le mec s'est mis à côté de moi pour regarder aussi. Alors, est-ce qu'on peut faire une quick cop? Je demande aux gens, ça peut être sympa pour la vidéo.
Parce que même moi je l'ai jamais fait, hein, donc je crois qu'ils vont pas répondre. Bon alors on va compter. Ah! Ah si, il a accepté, c'est sympa, merci. Allez. À mon avis, il a une meilleure bagnole que moi, hein. Genre sûr. Level 45? Je suis pas level 45, moi. J'en sais rien, en fait. J'aime bien les petites... Alors, c'est vachement buggé quand c'est en ligne, mais j'aime bien les petites cinématiques, là. Ouh! Va falloir shooter du mec. Bon, ça fait deux fois qu'on... Ok, allez mec, on y va. Non, putain, le train. J'avais pas vu. J'entendais le bruit, mais je voyais pas d'où ça venait, quoi. Je crois qu'on a perdu le chemin de la déception. Hein. Ah bah, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein. Je suis désolé. Hop. Putain, mais il va vite, en fait, ce con, là. J'arrive pas à le rattraper. Bon, on connaît pas encore son pathfinding, mais... ce serait bien de l'avoir du premier coup, quand même. Oula, 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 oula. Qu'est-ce que tu fais, mec? Putain, mais il roule plus vite que moi, là-dessus. Merde, 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 merde. Ouah. Ah merde! Putain! Bon, sur route, je suis plus rapide. En principe. Ouais. Tiens, ok, je t'ai même pas fait du. Ah, mais il va où? Reviens là, espèce de boue! De... Je sais pas, vas-y! Ok, j'ai pas vraiment. Putain, par contre, l'autre il est loin, hein. Il a pas suivi du tout la cadence. Hein. Je sais pas s'il joue au clavier, j'essaierai de vous faire un passage où je joue au clavier. Si je suis plus mauvais ou... Je vais pas essayer encore, pour être franc. Parce que je déteste jouer au jeu de voiture en clavier. À part Trackmania, qui est assez simple. Et donc, du coup, ne demande pas vraiment de... Enfin, c'est pas vraiment un prérequis. Ah, ça va, il a rattrapé son retard, le derrière. Eh, mais j'ai vraiment du mal. Waouh, c'est stylé, la fumée, là. C'est stylé, stylé. Allez, tu crèves. Tu crèves. Tu crèves. Tu crèves. Non! Il reste 46 secondes. Ah, c'est chaud là, c'est tendu. Hein. Allez, l'intérieur! J'ai cru que c'était un flic. Ah! Je perds le contrôle. Non! Oui! Oh! Yeah! Ça, c'était du skill. Le mec s'est planté, sa tribu le mérite. Comment ça, tu repars? T'es sérieux? On l'a fait, bonhomme! Ouais, bon, toi, t'étais planté l'autre, mais. Putain, mais l'avant de ma voiture. Donc vous pouvez voir la tête du monsieur. Hein. Ah, c'est cool. Je suis content. Tac, hop. Nouvelle carte mère. Je sais pas ce que c'est, l'icône. Voilà, level 7. Enfin, 7, quoi. Je vais peut-être faire une pause. Ça fait 25 minutes, là. Putain, j'ai même pas vu le temps passer. Un peu plus, je pense, 26. We need to get this girl out of town before Troy finds her. Okay. Je vous laisse la cinématique. Hein. Là, là, on... Oula. Ah, j'ai cru que j'avais les flics. C'était stylé. A plus, mec, t'es passé en vidéo. Alors, ce serait sympa de trouver encore un nouveau morceau de voiture ou une connerie comme ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a des nouveaux choses. Oui, des nouveaux choses. Ironclad Dash. Turfware. Oh, il y a un truc à New York. Mais pour l'instant, c'est bloqué au niveau 10. On va faire une pause au car dealer de New York. Donc pour aller au car dealer de New York... Alors, je vais aller à Saint Louis Station. Tac. Je vais aller à New York, parce que j'y suis jamais allé et que New York, c'est quand même stylé. Je vais vous montrer le truc. Le truc... Tiens, voilà. On est des malades. Alors, oula, oula, ça coûte cher. Oh, 500. Je sais pas si c'est super cher. Tac, on prend le train et l'avion. Alors ça, c'est logique. On arrive en train jusqu'à l'avion. Et on va en avion jusqu'à New York. Mais quand on est en avion, on va directement sur le train. Alors, je sais pas comment le mec se débrouille. Mais il est balèze. Oh, oh, c'est comme dans... C'est comme dans GTA. Putain, c'est les mêmes. Bon, alors, vous me direz, eh, c'est normal, c'est la même ville. Ouais, non, mais quand même. Putain, c'est exactement la même architecture. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y a quelques clins d'œil à d'autres jeux. Hein. Je sais pas si c'est que moi qui a l'impression, mais. Est-ce qu'on peut aller rouler sur le tarmac?
Non. Non, on peut pas. Désolé, pardon, excusez-moi. Mais c'est moi, j'ai fixé un waypoint sur le mec. Ah ouais, ouais, d'accord, c'est pour ça. Ouais, donc j'aimerais bien aller jusque là. Hop. Je sais pas pourquoi c'est en orange. Je sais pas du tout même. En tout cas, il y a un autre filtre, j'ai l'impression, de couleur. C'est pas exactement les mêmes teintes. J'ai une impression, hein. Pourquoi c'est orange, bordel? Ah, mais c'est parce qu'il est rentré dans mon crew. J'avais pas capté. Et du coup, en fait, je suis en train de lui donner une voie que je suis en train de suivre. Ok. Donc le mec est en train de suivre une voie qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas envie. Il avait qu'à pas rentrer dans mon crew. Alors. Ça va bien passer là. Créneau. Donc il y a des petits objectifs, j'ai pas fait gaffe encore. Donc là d'accord, ça marche comme ça, ça. Faudrait que je change peut-être mon emblème, quoi que c'est quoi. Oh, c'est une espèce de pélican. Non, je sais pas du tout ce que c'est. Non, ça va, il est pas trop mal. Mais à mon avis c'est le truc de départ, donc tout le monde doit la voir. Hop. Effectivement c'est sympa, on reconnaît bien les quartiers un petit peu, bon même si je suis jamais allé à New York, on reconnaît bien... Merde. Les quartiers de New York, enfin les plus vieux quoi. Les quartiers hollandais d'ailleurs, car la base de New York c'est en... Enfin c'est... Ouais la base architecturale de New York c'est du hollandais. Ah! Ouh, un nouveau morceau de voiture. Ça, ça fait plaisir. Donc, à New York. Hein, ce sera pas très compliqué de le trouver. Et là, je pense que c'est clairement un morceau de la voiture. Tac! Deux! Attends, je l'ai eu, hein. Oula, je suis à 20 FPS, je comprends pas là. Ah non, mais c'est même pas... Ah, c'en est encore une autre. Ah d'accord, en fait, il y a une voiture par... Merde. Il y a une voiture par state, si j'ai bien compris. Une voiture spéciale par... par state. Donc West Coast, Mountain States, Midwest, the South, and East Coast. Donc, c'est stylé. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire en une journée parce que j'ai des choses à faire aujourd'hui. Le code de la route, ironiquement. D'ailleurs, faudrait que je révise un peu mieux parce que si je conduis, si je réponds comme je conduis, ça va pas être génial ici. Alors, tac. À mon avis, je couperai cette vidéo en deux, hein, histoire de pas avoir un upload de dingue. Hop, ah, c'est stylé, hein. Non, franchement, je kiffe ce jeu, je surkiffe ce jeu. Je sais même plus comment le dire. Mais attends, pourquoi le car dealer est aussi loin? Il me semblait que c'était pas si loin sur la carte. Je sais pas, hein, soit. On passe sur l'autre île, on voit déjà l'Empire State Building. Et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, celui qu'on a devant nous, là. Celui qu'on aperçoit. On va essayer de faire une manœuvre stylée, sans toucher de boîte. Ok, c'est mort. Oula, 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 oula. Oui, le trottoir a roulé, a retourné la voiture. Oula, oula! Alors, vous pouvez voir, à côté de Seth et de mon pseudo, qu'il y a une jauge. Une jauge, c'est la réparation de ma voiture, là, qui est en train de se faire. Enfin, les réparations. Le niveau santé de ma voiture, on va appeler ça comme ça. Hein. Allez, on va booster un peu, on prend le risque. C'est très simple. Ça va. Vous voyez, on traverse les mecs. Hein. Je sais pas si ce sera fait plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, on arrive au car dealer. Oh, avec la belle statue de la liberté. Hop. Nickel. Je pense que je vais couper après ça. Hop, on entre dans le garage. Hop, car dealer. Ah, on a d'autres voitures. On a d'autres voitures. Ouh, il y en a une qui me plaît pas mal. Alors, la Ford Focus, je suis pas fan. Ça, je suis un peu plus fan. Ça, c'est très sympa, mais ça coûte très cher. Je suis pas très fan des Skyline.
Oh non, pas ça, non! Ah non, mais c'est... Bon, ça fait partie. On va démarrer la voiture. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. Attends. Bon, ça fait partie de mes voitures préférées. La Chevrolet Camaro. Surtout celle de 69. Et là, il me brise le cœur, là. Bon, qu'est-ce que c'est? Ça aussi, j'adore. Ah, putain. Ils font chier, hein. Ah, ils font chier, hein. Je crois que ce sera pour le jeu final, hein. Je ne vais pas patienter jusque-là. Et du coup, je pense que la prochaine voiture que je vais m'acheter, c'est peut-être celle-là. Même si j'ai encore pas mal de trucs à gagner. Parce que il me faut une voiture un peu dirt. Non, je vais pas exit. Je vais quand même regarder. Donc voilà, ça vous montre les collections là. Donc là, c'est les kits. Donc vous voyez que j'ai deux parts de l'E3, j'ai deux parts de celle-ci, de. Je sais pas comment elle s'appelle. Deux parts. Une part du buggy. Enfin, une part aussi là, je sais pas compter. Et donc quand on les a complétés, on peut les remasteriser. Donc là c'est toutes les hot rods. Là c'est tous les buggy. Donc on peut les remasteriser et les mettre au prix qu'on veut. Et donc qu'est-ce que c'est ça? Donc ça c'est. Ah oui, c'est les voitures de base, pardon. Ça c'est les voitures de base. Donc voilà. Donc vous pouvez voir pour ma classe qu'il y a le dirt, le L10 que j'aimerais bien débloquer. Le perf, pardon. Une version route mais améliorée. Je sais pas pourquoi il est marqué 99 ici, mais bon. Level raid, bon alors ça c'est du. C'est du gros bourrin, ça c'est du cavalage de terre et tout. D'ailleurs j'aimerais bien aller dans le canyon avant de finir la vidéo. Du circuit, bah ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. D'ailleurs, les classes coûtent assez cher quand même. Voilà. Tac, je veux exit, s'il vous plaît. Et on sort. Je vous spoil pas l'histoire en fait, hein. J'ai pas envie. Hein. Vous verrez bien si vous l'achetez. Alors. Il y a des cinématiques pour tout, hein. C'est assez sympa. Alors, ouais, donc on va faire un arrêt. Tac. Je vais essayer de roxer du poney histoire d'avoir la classe dirt. Et après, on ira in the Great Canyon. Qui est. Bah, techniquement, c'est par là. J'y suis vraiment allé, donc je devrais savoir, mais. Oh non! Ah, ici, ça doit être magnifique. J'y suis allé en vrai aussi. Oui, je suis un chanceux, je suis un malade. Non, alors le plus beau, ça doit être là en fait. Il faut qu'on aille là. Il faut qu'on aille là, je sais pas comment. Ia, vous l'entendez, l'Ave Maria, là? Ah, bordel de Dieu! Ouais, donc ouais, les canyons, c'est là, hein. Faudra qu'on aille. Étant donné. Enfin, un peu fatigué, excusez-moi. Étant donné que. On a fait pas mal de conneries aujourd'hui avec le Roger. Je vais vous montrer les derniers trucs. Donc la spec dirt, hein, j'ai pu passer quelques niveaux en même temps, en rigolant, et en faisant nawak. Donc on va installer cette spec dirt. Et aussi on va passer du côté du parking, qui est simplement le parking qui nous met le. Attendez, réflexion. Là, attendez, mais je suis pas allé. Ah, mais je suis pas au bon endroit en fait. Bah, c'est pas grave, je peux la mettre d'ici. Ah non, merde. Ah merde. Je suis pas au bon endroit, c'est pas grave. Oui, on va aussi passer au parking qui nous permet. Enfin, c'est un peu la base, quoi. La base centrale. Et ensuite, j'ai décidé d'un peu là on irait. J'essaie juste de me concentrer histoire de pas perdre trop de temps. Alors. Ah, il y a un PVP Lobby Coast. Sachant qu'il y a les développeurs, j'ai lu, qui sont en train de jouer dans cette région là où je suis, à New York, Chicago, Détroit. Enfin, pas Chicago, il me semble. YOLO! Est-ce que vous êtes prêts à dirter, à drifter? Je sais même pas si on m'entend, je vais quand même faire le test. Juste après ce chargement, histoire de faire propre. On peut y aller.
Alors, on va se TP directement à Las Vegas pour faire le petit bout de route qui va dans ces montagnes que j'aimerais bien voir. Pour être franc, j'aimerais monter jusque là, mais on verra depuis les montagnes ce qu'on fait. Hop, on va se placer ici. On va plutôt passer là. Hop, d'ici. Et on fast travel. Tac, on amène la voiture jusqu'ici. Hein, ce qui est un peu improbable, bien sûr, vous l'aurez compris. Et on y va de nuit, malheureusement. Je voulais de jour, mais bon, c'est pas grave. Et tac. J'ai pas mal de montage à faire. Ah, quoique là, non, c'est assez canyon quand même. Même si c'est de nuit, on va passer en vue intérieure. Je pense que ce sera plus sympa. Merde. J'aimerais bien aussi vous faire une timelapse. Comme ils avaient fait Ubisoft, mais un peu à ma façon, quoi. Du coup, je mettrai le jeu au maximum, vu qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'FPS. Et je ferai un accéléré x4, x8, je sais pas, on verra de suivant. J'aimerais bien en faire au moins d'une heure. Un bon timelapse de dingue. Truc sympa. Allez, on va accélérer un peu. Un peu, j'ai dit deux fois un peu. Ça va, c'est tranquille la nuit, ça ressemble à la réalité, hein. Si ce n'est que c'est pas assez sombre. Mais il y a un effet de grain qui est assez sympathique, qui assombrit sans pour autant gêner. Et j'aime bien. Vous entendez la petite musique en arrière-plan sûrement. J'ai mis les jeux. En ce moment j'ai décidé que je mettrai les jeux pas trop fort et je vais faire coupure. Ah, Scoozy, c'est un petit peu agité chez moi. Alors. Oula. Bah il a eu le temps de faire jour. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est stylé quand même. Hein. Je me demande en quelle vue je voudrais faire la... Hello. Je voudrais faire la timelapse. Je pense avec cette vue là, hein, ça ira bien. Hein. C'est cool parce qu'avec ce mode là, on peut bien drifter. Enfin, mieux. On est arrivé. Eh ben, je propose d'aller... Oula. Ah non, mais c'est quoi ce point pourri? Je voulais aller vers là, moi. Au moins jusqu'ici. Hop. Tac. Tac. C'est dommage qu'ils ne mettent pas des chemins de terre. Enfin, des chemins, des GPS terre. Vu qu'on est en spectre, ça aurait pu être logique. Hein. Oulala. Je réfléchissais à autre chose. Oula. Je l'ai cassé. Ah. Il y a un mec qui est dans mon crew, j'ai pas fait exprès de l'avoir. Ah, c'est marrant ça, par contre, que les... Des trucs face comme... Bon, j'ai un petit peu avancé dans le coin de l'Ice Sierra. J'aimerais bien me diriger jusqu'au Yosemite pour finir cette vidéo. Alors par contre, vous m'expliquerez cette baisse de framerate. Je sais pas si c'est la région qui fait ça. Oula. D'accord. Oula, le Skype. Je reprends tout de suite. Bon, je sais plus vraiment où j'en suis dans mes épisodes, mais je crois qu'on s'en était arrêté par là. Alors il s'est passé beaucoup de temps depuis la dernière coupure, à savoir un jour. Du coup, j'ai quelques trucs à vous montrer. Comme ça, par exemple. Voilà, la dehors de la forme du stand. Aussi... La Chevrolet complètement refaite. Et si vous l'avez vu, la route. Voilà. Juste pour vous montrer ça. Hein. On va finir le chemin que j'avais commencé hier ou avant-hier. Donc le temps, j'ai oublié. Si je parle pas trop fort, c'est normal. Et donc on va finir ça comme ça, tranquille. Et là, on va faire quand même un test au minimum.
Ça m'a l'air plutôt bon. Alors, je vais finir ça comme ça. Je vais pas trop parler, je vais laisser après ça. Je vais... Sans doute que vous aurez bientôt un long road trip. Après peut-être deux parties. Avec The Dark Room. Et peut-être je referai une timebox. Et aussi une autre vidéo sur... J'aime bien. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Même si je parle pas beaucoup, c'est que c'est maintenant. Je me suis mis un peu tôt. C'était la bêta qui, normalement, à ce temps-là, est pas possible d'être finie. Enfin, pas possible. Quand on a le parent, hop. Et puis il y a la mission de street, c'est pareil, c'est un peu différent. Mais... J'aime bien cette petite voiture, j'ai hâte qu'on puisse y jouer. Ça faudra attendre 2 mois, 3 mois. J'ai fait un mauvais choix. On va prendre le deux. La forte. Je me fais beaucoup envie comme ça. Hop, pour le coup. Voilà, là au moins il va fonctionner. Silencieux en commentaire, mais ça, je suis un peu au niveau de mes parents, ce qu'ils sont en ce temps-là. C'est un bordel un peu atypique comme vidéo. Ready for this yet. Get more experience. Ah, qu'est-ce que... Voilà. Gare. Ah, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me crache, j'enlève le waypoint. Plutôt fâcheux. Faut aller à partir de maintenant, vous verrez. Reprendre le trot comme j'avais pas vu. Oh non, je vais prendre la mission.
7 petits kilomètres et on se laissera là-dessus. Je vous conseille, si vous avez envie de voir le road trip, peut-être vous en aurez plus. Si jamais c'était pas une vidéo de grande qualité, je crois. Mais oui, il faut leur dire tout ça, même si je me suis bien amusé. Bon, vous savez quoi? Hello. C'est ce que je fais, ça. En fait, je suis pas très sûr. Ouais, pas très très sûr. Attends. Je suis replacé sur la road. Que les petites chaînes de virage comme ça, c'est pas génial. Voilà. Je vais me replacer là. Voilà. Ah, c'est du civil un petit peu. On va pouvoir se la lever. Je vais mettre le chapeau. Je vais me passer en mode. C'est marrant, c'est la vue que j'utilisais le plus à l'époque pour le jeu Twitter, c'était le pare-choc. C'est le genre de vie que j'ai mis. Perfection, c'est un truc sympa à faire. Ça. Ok. Je crois qu'on va se laisser là-dessus. C'était magnifique. Sur ce, c'était The Crew pour un espèce de petit test. Pas génial, mais ouais, je me satisfais. Et donc on va se laisser là-dessus. Je vous fais une outro basiquement endormi. À 6h du mat, à plus. À plus, j'ai dit. Merde, pas le bon bouton. J'y vois rien. Voilà, à plus.